C'est une huile que vous devez avoir pour votre immunité. Elle s'appelle Ravintsara. C'est une huile fantastique. Elle est riche en cinéole. Donc, une huile qui a des propriétés vraiment dans la prévention, mais aussi des propriétés curatives. Ça veut dire qu'elle va accélérer la guérison. C'est une huile qui est antivirale par excellence et aussi une très puissante stimulante immunitaire. Ça veut dire qu'elle va augmenter les défenses de l'organisme. Aussi antibactérienne. Donc, c'est vraiment toutes les propriétés qu'on veut avoir pour une huile qui va nous protéger des maladies hivernales. Donc, très intéressante pour la prévention de toutes les affections ORL et toutes les ites, bronchites, voilà, et toutes les ites qu'on a dans l'hiver, des maux de gorge, tout ça, les nez encombrés. Donc, et aussi pour les personnes qui ont une déficience au niveau immunitaire. Ça veut dire que ces personnes sont toujours malades, qui ont du mal à se remettre une fois qu'elles sont, voilà, qu'elles ont attrapé une petite grippe, des choses comme ça, des rhumes. Donc, on peut utiliser cette huile, voilà, en inhalation. Donc, je vais vous la montrer, voilà, d'une marque connue. Donc, on l'utilise en inhalation, tout simplement. Voilà. On peut aussi juste déposer une petite goutte au niveau des poignets, faire une petite friction et aussi inhaler vraiment, voilà, pour dégager les voies respiratoires. On peut l'utiliser aussi en diffusion atmosphérique pour nettoyer, voilà, l'ambiant, pour vraiment le nettoyer, le purifier. Et aussi, on peut, on traite, entre guillemets, en accompagnement des traitements, ça veut dire si vous êtes déjà malade, vous pouvez faire des applications de cette huile. Au niveau, là, au niveau des 4 gouttes maximum au total, vous appliquez au niveau du thorax, au niveau de la voûte plantaire et aussi, voilà, derrière les oreilles, ici, au niveau de la gorge. Ça peut être intéressant aussi un petit peu au niveau du dos. Comme ça aussi, vous allez augmenter la puissance, voilà, de vos défenses naturelles pour bien vous protéger. Donc, si vous devez avoir quelque chose dans votre sac cet hiver, mettez l'huile de Ravintsara, c'est vraiment votre ami. Il y a d'autres huiles aussi très puissantes au niveau immunitaire, mais cette huile, elle est très bien tolérée aussi au niveau de la peau. Donc, vous pouvez l'utiliser, voilà, en respectant les gouttes, le dosage préconisé, pur au niveau de votre peau. Mais aussi, comme les huiles essentielles ont toujours, voilà, des précautions à prendre, on ne va pas utiliser chez les enfants, on ne va pas utiliser chez la femme enceinte et aussi les personnes asthmatiques, il faut demander le conseil à votre médecin. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette astuce pour, voilà, passer bien l'hiver et booster votre immunité au maximum avec le Ravintsara.